Beaucoup de publications qui pourraient secouer les marchés d'échange sont prévues pour mardi 15 novembre. Donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre de l'Allemagne qui est bien surveillée est la première publication et elle va paraître à 7h. L'économie allemande a continué à progresser au deuxième trimestre, mais à un rythme plus lent qu'un fort gain de 0,7% enregistré au début de l'année. Deux publications sur l'économie britannique en octobre vont paraître à 9h30, y compris l'IPC préliminaire qui est d'une grande importance. L'inflation annuelle a progressé de 0,4 points en septembre, ayant atteint son plus haut niveau depuis la fin de 2014. L'indice des prix à la production est resté inchangé en septembre, car la baisse des prix du carburant a annulé la hausse des prix des produits importés. Une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre de la zone euro, qui est bien attendue, va suivre à 10h. Au deuxième trimestre, les données ont montré le même rythme de croissance que celui enregistré au cours du trimestre précédent. Une autre publication qui pourrait secouer les marchés d'échange est celle du sentiment économique ZEW de l'Allemagne pour novembre, qui va paraître à la même heure. L'indice a rebondi en octobre après être resté au niveau de 0,5 au cours de deux derniers mois. Une estimation préliminaire des ventes au détail des États-Unis pour octobre, qui est bien surveillée, sera disponible à 13h30. Les ventes ont retrouvé la croissance en septembre, ayant annulé une baisse de 0,2% enregistrée au cours du mois précédent. Les stocks des entreprises des États-Unis pour septembre vont paraître à 15h. Les stocks ont retrouvé la croissance en août, suggérant que les détaillants sont en train de reconstituer leurs stocks. L'indice avancé Westpac de l'Australie pour octobre va conclure l'ordre du jour à 23h30. L'indice a légèrement progressé en septembre, après être resté inchangé au cours du mois précédent. Je m'appelle Jack Everett. Vous avez regardé le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir.